Hop, on se remet en route. Bonjour YouTube, bonne vidéo à vous. Attends, parce que là j'ai perdu mon objectif quand même. Y a tout un coin que j'ai pas fait là. Sont vraiment très, très mauvais. Je pourrais essayer de trouver une solution, mais les petites sœurs aiment bien cette odeur. Il faut maintenant trouver des recrues. Quand on devient protecteur, il n'y a pas de retour possible. Ryan dit que je ne dois pas m'inquiéter pour les recrues. De Ryan. Quel brave. Je fais des erreurs. On ne bâtit pas une ville si l'on est guidé par le doute. Mais peut-on gouverner dans une absolue certitude? Je sais que mes convictions m'ont élevé. Tout comme je sais que ce que j'ai rejeté aurait pu me détruire. Mais la ville s'écroule sous mes yeux. Ma foi m'aurait-elle aveuglé au point de ne plus voir la vérité? Possible. Mais Atlas est là. Il a l'intention de me tuer et de détruire ma ville. M'interroger, ce serait me rendre. Comme vous voudrez. Aussi ne me poserai-je aucune question. Comment puis-je vous aider si vous ne venez pas? Par contre, mon petit pétoir là, il sert plus à rien quand même. La guerre est une chose terrible. Les Japonais ont massacré tous les habitants de ma ville. Mais pas Souchong. Souchong avait de l'opium premier choix. Cette guerre aussi est terrible. Mais pas pour Souchong. Tout le monde a peur et a besoin d'Adam. Les petites sœurs n'en fournissent pas assez. Mais la guerre fait beaucoup de morts. Souchong s'est recyclé là-dedans des cadavres. Mais il ne peut pas laisser les petites sœurs sans protection. Souchong doit réfléchir. Oula, un petit peu bu.
sais pas où je dois aller, mais on y va. Tout à fait ça, Akira. Et je te dirais que c'est pas de 2022, c'est depuis ma naissance à peu près. Je vais aller au dodo, monsieur P. Bah, va au dodo. Bon, c'était pas par là. Ah. Ces cadavres à bloquer la route. Je sais pas qui c'est qui a laissé autant de cadavres sur la route. Mais du coup, on va peut-être un peu farfouiller par là.
a fait livrer des munitions supplémentaires. Il doit s'attendre à des ennuis. Je les ai mises sous clé près du laboratoire des protecteurs. Le code est 1921. Mais je ne crois pas que nous en aurons besoin. Quand un protecteur est prêt, rien ne peut plus l'arrêter. En fait, ça fait même pas mal. Paradis déteste trois choses. L'économie de marché. On a fait à peu près tout. Le libre arbitre. Et les hommes libres. Reconnaître que Fonzen a eu une bonne intuition en se lançant dans le commerce des plasmides. Et les ventes n'ont jamais été son fort. Il ne faut pas cacher le talent de ces fillettes. J'ai vu les premiers modèles des nouvelles machines à plasmides. Exactement ce que je voulais. Et je vous l'affirme, présentées correctement, ces petites sœurs sont une véritable mine d'or. Thank you.
Alors, je n'allais pas voir. Ok, je les plie sans savoir ce que j'ai plié. On a tout ça. De toute façon, tente tout ce que tu peux hein, à ce niveau-là. Merci. De tout notre cœur. Tout acheter. Moi je descends déjà. Ouais, j'ai pas vu que la petite sœur avait de la vie. Les petites sœurs te mèneront à Fontaine, mais
protéger. Il y a des anges qui veulent un bisou. Volant, monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballots. Des anges qui veulent un bisou. Il y a des anges qui veulent un bisou. C'est trop lent, monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballots. Des anges qui veulent un bisou. On dirait que l'ange gagne. Vite, vite, monsieur P. C'était un ange très, très beau, monsieur P. T'es trop lent, monsieur P. Ouais, ben là, c'est toi qui es trop lent. C'est l'air qu'elle vient de prendre un quart d'heure pour siffler l'autre. Il y a des anges qui veulent un bisou. Monsieur P. Regarde, monsieur
Si elle récolte de la dent, cela attirera à vous sur l'attention des gros hommes. Monsieur P, je vois des anges qui dansent dans le ciel. Je suis un gentil. Je vois de la dent, monsieur P. Allez, allez, monsieur P. Il a l'air tout court, monsieur P. 6 fois 2 égale citron. Trop lent, monsieur P. Les anges n'aiment pas les cobalés. Ne bouge pas. Je suis gentil. Trop de tard, monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. C'était un ange très très beau, monsieur P. Je croyais que t'avais fini, moi. C'était un ange, ouais, mais. Puis dépêche-toi. Non, monsieur P. Les anges aiment pas les gros ballots. Elle est passée où, elle? Trop vite, trop tard, monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. T'es où? Allez, allez, monsieur P. Oh, allez, allez, allez. T'as qu'à avancer plus vite. Il est chiant, t'es. Faites des gosses, qu'il disait. Vite, vite, monsieur P. Je suis prête pour le dodo, monsieur P. Vite, monsieur P. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Vite, monsieur P. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Faut y aller, monsieur P. Fais-y mal, monsieur P. Fais-y mal. Allez, allez, monsieur P. Pas de temps à perdre. Mais elle est où, la gamine? S'il vous plaît, monsieur Noël, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Trop de pitié, là, monsieur P. Il y a des anges qui veulent un bisou. Trop lent, monsieur P. Les anges aiment pas. Vite, monsieur P. Les anges qui veulent un bisou. Vite, monsieur P. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Fixant des petits marteaux. Allez, allez, monsieur P. Pas de temps à perdre. Cet ange est bien. On récolte ton attente. Tu vas attirer la. J'aime bien la danse. Je me sens spéciale. Vite, vite, monsieur P. On dirait que l'ange danse. C'était un ange très, très beau, monsieur P. Oui, monsieur P. Les anges n'aiment pas les gros ballons. J'aime bien la danse. Je me sens spéciale. On dirait que l'ange danse. 6 fois 2 égale citron. Vite, monsieur P. Je vois des anges qui dansent dans le ciel. Ferme ton cul. Je suis une gentille fille, monsieur P. Trop petite, trop tard, monsieur P.
Il y a des anges qui veulent un bisou. Trop lent, monsieur P. Les anges n'aiment pas les gros ballons. Il faut y aller, monsieur P. Un bisou. Vite, monsieur P. Ça sent. Motivé, bon, en fait pas vraiment. On fait une pause? Non. Bon, j'ai juste pas envie d'y aller. Merci. C'était mon atout majeur, mais aussi ce qui se rapprochait le plus d'un fils pour moi. C'est ce qui fait le plus mal, la trahison. La vie ne se résume pas qu'aux affaires. Sérieuse? Bon. En fait, y'a rien. Va
5 minutes. Après, je m'occupe de vous. Vous croyez que je suis seul dans ce monde? J'ai une armée de plaques pour me protéger pendant que je recharge. De quoi vous étiez capable? La vie que vous pensez avoir vécue, je l'imagine, et imprimée dans votre esprit. Si ce n'est pas ça, une famille, que vous faut-il de mieux? Et maintenant! Les petites sœurs. Elles ont offert la ville. Et toi, tu as refusé. Et qu'est-ce que tu as fait à la place? Ce que tu as toujours fait. Tu les as sauvés. Tu leur as donné la seule chose qu'on leur avait volée. Une chance. Une chance d'apprendre. De trouver l'amour. De vivre. Et quelle a été ta récompense? À aucun moment tu ne l'as dit. Mais je crois le savoir. Tu as gagné une famille. On a tout cassé. Par contre, la musique est légèrement horrible dans les oreilles. Là, ça va mieux. Et voilà, tout fini le jeu. Merci YouTube d'avoir regardé. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo et à la prochaine histoire.